Hello people. On s'est changé un peu pour faire semblant qu'on n'avait pas filmé genre 8 vidéos pendant la même journée. En fait, toutes les vidéos depuis le début, on les a faites la même journée. Toutes. Puis vu qu'on a tout le temps un verre à la main, ça fait vrai 8 bouteilles qu'on boit, c'est pour ça qu'on est plus fuck all cohérente présentement. On a commencé à boire à 5h ce matin. Oui. Plusieurs sont comme, on comprend pas comment mettre des fossiles, c'est donc bien compliqué, aïe, papy, comment on fait pour mettre des fossiles? C'est où c'est tes amis, ils sont tombés à terre tantôt? Ah, son... Non, oui, on l'a. Des fossiles, these mighty beasts, que tout le monde trouve donc bien ça épeurant, mais des cils, c'est juste comme, oh mon dieu, non, je suis pas capable, oh mon dieu, je me crève un œil, oh mon dieu. Not so bad. Not so bad. Même quand on portait des lunettes. Ouais. C'est sûr qu'il faut quand même relativement regarder la longueur parce que ça vient que ça frotte dans les verres, puis ça gosse pour vrai. Parce que c'est sûr que dans la vie, il faut être logique, hein. T'sais, si tu vas dans le rayon chez Jean Coutu, je le sais, je travaille chez Jean Coutu, et là, t'achètes les cils qui commencent comme ça, puis sont comme, tu sais, je vais te les décrire, ok. Ils sont noirs, puis c'est un rectangle de cils foncé. C'est comme une casquette de cheveux. Ils ont l'air d'une palette de casquettes. Ouais. Puis là, dedans, t'es comme des diamants incrustés. Shine bright like a diamond. Tu devrais peut-être reconsidérer ton choix. Ouais, c'est une bonne façon de pas porter lunettes de... T'sais, de pas porter de lunettes. Soleil, puis comme de pas rider, de pas de doigts. Ouais, c'est la protection, finalement. La protection solaire, en fait, c'est ça. Mais parce que c'est sûr mais tu peux que partir au vent. Mais pense aux autres. C'est aérodynamique au bout. Pense aux autres. Mettons que tu French un gars au fit sur Mont-Royal, tu crèves les yeux, il va te poursuivre en responsabilité civile, puis tu vas être dans le mal. Présentement, c'est des Glam Lashes. C'est une compagnie de Toronto qui nous envoie des cils. On est content. On est contente. Glamuplashes.com. Tu peux commander les cils. Mais sinon, ce que je conseille. Ardell. Les faux cils Ardell sont full nice. L'important quand tu achètes des cils, c'est que la bande ici soit le plus mince possible. Souvent, il y a des fossiles qui ont une bande quand même épaisse. Les fossiles qu'on commande sur eBay, là, t'sais, genre un bundle de 152 pour 3$ que ça vient genre de Okinawa, ils ont une grosse bande. Fait que quand tu le mets, un, c'est pas confortable. Deux, ça décolle ses côtés. Fait que tu as tout le temps recollé ça. C'est pas, ça gosse. Fait que quand ta bande est vraiment mince comme ceux-là, c'est vraiment plus facile à appliquer puis ça tient plus longtemps. Les Ardell sont bien les Ardell en pharmacie, évidemment. Vous pouvez aussi les trouver. Si vous êtes chanceux et vous avez l'esprit d'aventure comme moi, chez Dollarama. Et celle qui est marquée à ma pose aujourd'hui s'appelle Gorgeous. C'est concept. Je sais pas. Dans le fond, ils ont été faits en l'honneur de Marie-Ève. Gorgeous. Je prends la colle à fossile SLA que vous pouvez commander sur le site de SLA. Il y a aussi la Duo qui est très bonne et la colle Ardell aussi qui est très bien. On les réchauffe un peu en les pliant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour qu'ils prennent une forme adaptable à l'œil. Donc plus ronde parce que c'est pas droite comme ça. Ce que je vais faire, c'est aller mettre la colle. On peut la mettre sur un bout de pinceau. Je vais pas la mettre directement sur le cil parce que des fois, tu pèses sur ta colle puis ça spread partout. Et à ce moment-là, ça fait chier parce que ça colle toutes tes cils entre eux autres, puis là, elles sont plus bons. Parce que des faux cils, c'est réutilisable. Donc, si je réussis à faire sortir la colle, bon, j'en mets sur ma main. Et je vais juste aller passer délicatement le cil dans la colle pour qu'il y en aille partout et surtout dans les coins extérieurs du cil. Donc, j'attends que ça sèche un petit peu. Marie-Ève, enlève ses lunettes durant ce moment crucial. J'attends que ça sèche un petit peu parce que si ça n'a pas encore pris, si la colle n'a pas encore pris, elle va moins bien coller et ça va être un mess. Un complete mess. Donc, j'attends que la colle sèche. On peut attendre environ 30 secondes. On fait ça ou si on s'est mis sur soi-même puis on s'en fout, on peut souffler dessus. On regarde en bas. C'est important que Marie n'ait pas les yeux fermés à ce moment-là parce que la forme de son œil ne sera pas pareille si elle ferme son œil. Je vais commencer par aller placer le cil. Tourne un petit peu, je pense que ouais. Au milieu de sa paupière. Et après, je vais aller presser sur les coins extérieurs. On essaie de les mettre le plus proche possible de la base naturelle des cils.
on vient vraiment vérifier que les deux côtés intérieur et extérieur sont bien collés. La colle est blanche, elle doit sécher transparente. Là, j'ai pas vérifié la longueur des cils parce que je savais qu'elle serait de la bonne longueur, mais des fois ça arrive que les yeux soient plus étroits, donc que le cil est trop long. Ce qu'on fait, on coupe avec un petit ciseau, on mesure avec l'œil qu'est-ce qu'on a besoin d'enlever, puis on coupe carrément le cil une fois qu'il n'est pas posé. Sinon, c'est comme un peu dangereux, on essaie de pas tuer personne. On va attendre que la colle sète. Fige sur l'œil de Marie-Ève et la colle va sécher du même coup et devenir transparente. Puis ensuite, on va aller mettre du mascara. Ça, c'est la question que tout le monde pose et maintenant vous avez la réponse. Le mascara, c'est après le cil et non avant. Ouais, parce que si tu mets le mascara avant, tes cils vont déjà prendre une forme qui va être courbée et à ce moment-là, ça va être plus compliqué d'appliquer le cil et ça va empêcher, comme si tu le mets après, tu vas mélanger tes vrais cils avec les faux cils, donc ça va donner un effet plus naturel. Mes yeux sont des papillons de nuit du biodôme qui reprennent leur liberté. Simple comme ça, mettre des faux cils. Deux temps, trois mouvements. L'important c'est de A, laisser sécher sa colle un peu, B, vérifier la longueur avant pour pas que ça dépasse de deux bords, que ça soit full inconfortable et que ça décolle tout le temps. C'est commencer par l'appliquer au milieu et non par les coins. Souvent, les gens vont faire ça, vont commencer par le coin, puis là, c'est comme coin, on applique vers l'extérieur. Ni. On applique directement par le milieu et ensuite, on applique au niveau des coins. C'est la façon que j'ai trouvé, que je trouvais le plus efficace. Troisième chose, c'est normal si on voit la colle au début, c'est pas désastreux. Souvent, ça les gens sont comme la colle, ta colle sèche, va devenir transparente. Puis il existe aussi la colle que Marca avait là en ce moment, c'est la colle Sla, mais il existe aussi la colle duo, puis la colle duo qui est nickel. Et qui vient aussi en noir. Et puis aussi en noir. Donc pour les gens qui ont tendance à se faire des maquillages qui sont peut-être un petit peu plus des smokey eyes ou des trucs plus charbonneux, tout ça. Si vous capotez à cause de la colle, puis vous voulez vraiment, vraiment pas que ça paraisse, vous avez peur, vous pouvez juste refaire l'eyeliner par-dessus. Ouais. Simple comme ça. Absolument. C'est ça que je fais moi habituellement, je fais mon eyeliner en premier, je mets mes cils en tout dernier, puis s'il y a des trucs on qui restent, on va travailler avec l'eyeliner, voilà. C'est ça. Donc pas mettre trop de colle, c'est vraiment important parce que ça donne l'effet contraire, puis ça va partout, puis ça vient vraiment l'enfer. Et traîne ta colle dans ta sacoche, parce qu'en principe, c'est pas tellement supposé décoller, mais ça arrive tout le temps. T'as une goutte de pluie d'en face, t'as un moment émotif, tu brailles, ça décolle, il fait chaud, hein, pour vrai, moi je mets des faux cils tous les jours, mais l'été à canicule, là, c'est con ce que je veux dire, mais ça fond. T'sais, ça te prend ça juste pour faire des petites retouches. Un petit miroir de poche, ta petite colle, faire des retouches. Prends ta colle. Prends ta colle. Voilà! Paix, amour dans le monde.